voir la vision and well. Et le puits. The Bible says, la Bible déclare, Hagar was in the same place. Abraham était dans le même endroit. Hagar was in the same place. Était au même endroit. She cried unto the Lord. Elle a crié vers Dieu. God heard her. Dieu l'a entendu. God opened her eyes. Dieu a ouvert ses yeux. To see the well. Pour voir le puits. She was not far from the well. Elle n'était pas loin du puits. The well was not far from Hagar. Le puits n'était pas loin d'Agar. But she couldn't see. Mais elle ne pouvait pas le voir. She couldn't see the well. Elle ne pouvait pas voir le puits. Why? Pourquoi? Because the eyes was not open. Parce que ses yeux n'étaient pas ouverts. How can the eyes were not open? Comment les yeux ne peuvent être because pas ouverts? Because she has two eyes can see. Parce qu'elle a deux yeux pour voir. Isaiah said. Isaiah a dit. They have the eyes. They have the eyes. Ils ont les yeux, but they cannot see. Mais ils ne peuvent pas voir. It's very important to know one thing. Il est très important de savoir une chose. The well. Le puits. Was there, était là, but she could not see. Mais elle ne pouvait pas le voir. In a messy situation, dans sa situation difficile, in a difficult situation, dans sa situation de confusion, the blessing was not far from her. La bénédiction n'était pas loin d'elle. Church, many times, Église, beaucoup de fois, when we make a mess in our life, quand nous faisons des choses désordres dans notre vie, when we go to a difficult situation, quand nous passons des temps difficiles, our blessing is not far from where we are. Notre bénédiction n'est pas loin de là où nous sommes. Our blessing is not far from where we are. La bénédiction n'est pas loin de là où nous sommes. Hagar was in a very difficult time. Hagar était dans une situation très difficile. What Hagar did wrong? Qu'est-ce qu'Hagar a fait de mauvais? She did not do anything wrong. Elle n'a rien fait de mauvais. She obeyed to her servant, a master. Elle a obéi à sa maîtresse. It was for the first time. C'était pour la première fois. Hagar called God. Invoqua Dieu. Cry unto the Lord. Implora Dieu. By himself. Par elle-même. She used to hear her servant, a master. Elle écoutait souvent sa maîtresse. She used to hear Abraham. Elle écoutait Abraham. But that day, mais ce jour-là, she said, "I will call God." Elle a dit, j'invoquerai Dieu. I won't go in between people. Je ne veux plus aller vers les gens. I will call God by myself. Je invoquerai Dieu I moi-même. I want God to do something for my life. J'aimerais que Dieu fasse quelque chose in pour ma vie. In my mess, I will call God. Dans mes problèmes, je vais invoquer Dieu. In my adversity, I will call God. Dans mon adversité, je vais implorer in Dieu. In my trouble time, I will call God. Dans mes problèmes, je vais invoquer Dieu. Hey, God did not go to Abraham. Agar n'est pas allé vers Abraham. He said, "You give me a child." Elle dit, vous m'avez donné un enfant. Give me the water for my child. Donne-moi de l'eau pour mon enfant. Hagar went to God. Agar est allé vers Dieu. Hagar called the Lord. Elle implora le Seigneur. In the midst of her adversity. Au milieu de ses problèmes. In the midst of her pain. Au milieu de sa douleur. In the wilderness. Dans le désert. Nobody was there with her. Personne n'était là. Hagar didn't call anybody to come help. Elle n'a pas appelé personne pour venir l'aider. She took the child. Elle a pris l'enfant. She put the boy aside. Elle a mis l'enfant à she côté. She said, "Today I will seek the Lord." Elle a dit, aujourd'hui je chercherai le Seigneur. Mess. Dans mon problème. In my adversity. Dans mon adversité. In my trouble. Dans mes difficultés. In my sickness. Dans ma douleur. In my disease. Dans ma maladie. In my broken life. Dans ma vie brisée. I will seek the Lord. Je chercherai le Seigneur. Call God. Je vais implorer le Seigneur. Directly I wanna call God. Je vais invoquer le Seigneur. Church, Hagar call God. Église Hagar a invoqué Dieu. Vous ne savez pas ce que pour avoir dans la vie. Until the day the Lord lead you to some painful time. Jusqu'au jour où le Seigneur vous conduit dans des moments difficiles. Jesus said, Lazarus' sickness is not for death. Jésus a dit, la mort de Lazare n'est pas pour conduire à la mort. It was another well. C'était un autre puits. Lazarus' sickness was another well. La maladie de Lazare était un autre puits. In the middle of nowhere. Au milieu de rien. This is how God does things. C'est comme ça que Dieu fait les God choses. God will never do things where you think you can get it. Dieu vous fera jamais de choses au milieu de là où vous pensez que vous pouvez aller faire. One day I asked God. Un jour j'ai demandé à Dieu. Say God. Dieu. 7 years ago. 7 ans de cela. It was only me and my wife. Il y avait seulement moi et ma femme. Nobody in the house. Personne dans la maison. God, I can do the school, I can do the church, I can do everything easy. Je pouvais aller à l'école, je pouvais travailler dans l'église très facilement. Why now? Pourquoi maintenant? God said yes now because you cannot do it by yourself. Je dis oui maintenant parce que tu ne peux pas le faire but par toi-même. But you can do it with me. Mais tu peux le faire avec moi. Every time in life you think you can do things for God. Chaque fois dans la vie que vous croyez que vous pouvez faire les choses pour Dieu. You are unable. Vous êtes incapable. It's when you cannot. C'est quand vous ne pouvez pas. God will use you. Et Dieu va vous utiliser. Hagar was in the house of Abraham. Hagar était dans la maison d'Abraham. Full of everything. Plein de toutes choses. Until Hagar was sent away. Jusqu'à ce qu'elle a été chassée. She became useful. Elle est devenue utile. For the nation. Pour les nations. Yes. Oui. Your blessing is not far from your life. Votre bénédiction n'est pas loin de you votre are not bénédiction. Far from your blessing. Vous n'êtes pas loin de votre bénédiction. Stop worrying about what you have. Cessez de vous inquiéter. What you have, ce que vous avez, is not what you will have. Ce n'est pas ce que vous aurez. What I want you to know today, c'est que j'aimerais que vous sachiez aujourd'hui. Don't see all of this. Ne regardez pas toutes ces see choses. See what God can do.
regardez ce que Dieu peut when faire. You start seeing what God can do, quand vous commencez à regarder ce que you Dieu will peut do faire, better in life. Vous allez faire mieux. The day I understood les jours où j'ai compris that I will not focus on my the wealth of my family, que je n'avais pas prêté attention à la richesse de ma famille, that day, ce jour-là, it was my freedom. C'était ma liberté. The day I learned that God can do better than anybody else. Le jour où j'ai compris que Dieu pouvait faire mieux que quelqu'un d'autre. I didn't look at my mama, my dad, or my father, or my uncle. I look at God. Je n'ai pas regardé à mon papa, à ma maman ou à mes oncles. J'ai regardé à that Dieu. That was a day of my liberty. Dieu, c'était le jour de ma liberté. The God, you can do it. Le jour où j'ai dit Dieu, tu peux le faire. Church, what I'm telling you today. C'est que je vous dis aujourd'hui. You are not far from the well. Vous n'êtes pas loin du puits. All you need to do. Ce que vous devez faire. Is to ask God to open your eyes. C'est seulement demander à Dieu d'ouvrir vos yeux.